OK, alors, juste un petit retour assez rapide, puis surtout pour, ça fait 20 ans que j'enseigne, ça fait 20 ans que je fonctionne de la même façon. Ce que je fais, c'est que je vous permets, bien sûr, de venir consulter votre examen. Si vous le souhaitez, vous venez à mon bureau. Donc, c'est sûr que des fois, j'étais à l'extérieur. Le jeudi, j'étais à Drummond, puis je m'occupe du campus de Drummond. Fait que c'est peut-être mieux de prendre un rendez-vous, mais si je suis dans le bureau, vous pouvez me faire juste signe. Alors, vous aurez accès à votre examen, au solutionnaire, puis je pourrai interagir avec vous si vous le souhaitez. Alors, c'est la façon dont je fonctionne. L'autre point plutôt technique que je veux vous dire, la moyenne du groupe, je crois, c'est 73. C'est tout à fait acceptable. C'est quand même une bonne moyenne. Je suis satisfait de ce type d'examen-là. Comparez-vous pas avec le groupe de ce matin. Moi, j'ai dit que je regroupais pas les deux groupes pour établir les cotes. Raison bien simple, c'est que vous n'avez pas le même examen. C'est sûr que j'essaie de faire des examens du même type, de même difficulté, mais ce n'est pas les mêmes examens. Donc, je ne peux pas établir les cotes en regroupant les deux groupes. Exemple très concret de ça, l'examen, la question Bonnier au groupe 1, c'était de parler ou juste énoncer un cas que vous aviez vu sur Facebook. Bien là, pour vous, 6 heures après, je ne sais pas vous poser la même question. Fait que la chose la plus intelligente que j'ai trouvée à poser comme question, c'est d'en dire deux. OK? Pas mal plus dur pour vous d'avoir vos 5 points, surtout que c'était 0 ou 5, OK? Que l'autre groupe. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est le nudge. C'est le bon comportement. C'est de s'habituer à être curieux. Fait que ça n'a pas d'importance. Mais là, je viens de vous expliquer pourquoi je ne regroupe pas les deux groupes. Ils sont à 80, eux. Mais 80 veut à peu près rien dire. Ils l'ont tous eu à peu près le 5 points de participation. Ici, vous ne l'avez presque pas eu à cause que je vous en demandais deux. Fait que, pas plus grave que ça. Ça va pour ça? OK. De quoi on va parler fin de la session? OK? Tel que promis, on va aller tranquillement, pas vite, vers de la planification fiscale, mais pas tout à fait, pas tout de suite, tout de suite. Il nous reste 2 volets de finances personnelles. Les 2 plus gros déboursés d'un budget normal de monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi? C'est se loger, l'habitation, puis c'est se déplacer, les véhicules. Donc aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'habitation. On va se poser la question, est-ce que c'est mieux d'être locataire ou propriétaire? C'est ça l'angle aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de finances personnelles, puis on va parler de char en même temps. Puis, les 4 derniers cours, c'est là qu'on s'en va vraiment en planification fiscale. 2 beaux sujets de planification fiscale. Quand je dis des beaux sujets, pas nécessairement parce que c'est réjouissant comme situation, mais c'est qu'au niveau fiscal, il y a beaucoup de planif. Je parle du décès. Donc, décès, planification successorale, testamentaire, beaucoup de choses à faire au niveau fiscal. On va avoir 2 cours là-dessus. Puis, on va finir avec 2 cours d'actionnaire dirigeant, toutes les belles choses de planif qu'on peut faire quand on est actionnaire dirigeant de notre propre, quand on est une entrepreneur, quand on est un entrepreneur, il y a des choses, il y a des planifications fiscales, il y a des choix fiscaux qui optimisent. Okay? Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici la fin de la session. OK, donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, je viens de le dire, l'angle d'attaque aujourd'hui, c'est 2 choix. C'est 2 visions. C'est de dire, on doit se loger. On a 2 choix. Je ne regarderai pas les choix d'itinérance ou les choix de la van life, là. Je ne vous parlerai pas de ça non plus, OK? Je vais vous parler d'être locataire ou d'être propriétaire. Alors, on va jaser de ça jusqu'à la pause, peut-être jusqu'au début, après la pause, un autre 10 minutes. Mais en bout de ligne, je vais vous demander d'appliquer dans un cas. On a Juste et Justine Leblanc qui ont besoin de vous, qui ont besoin de conseils. Ils se demandent s'ils devraient louer un appartement ou acheter un condo. Donc, on va se rendre jusque-là aujourd'hui en classe inversée, comme on fait d'habitude. On se prendra 45 minutes, 40 minutes pour ça, puis on se fera une rétroaction à la toute fin. Alors, à quoi ça va ressembler? Bien, comme toute bonne chose, moi ici, ce que je veux vous présenter comme discours puis comme concept, je veux faire le contrepoids. Je veux faire le contrepoids à quoi? À toute une industrie, toute une culture qui pousse la propriété comme étant la panacée d'à peu près tout, OK? Alors, c'est simplement de dire qu'il y a des bémols à mettre là-dedans, OK? C'est pas vrai qu'automatiquement, parce qu'on achète une maison, que c'est mieux que louer. Okay? Ça, c'est le gros du discours et de ce que je veux discuter avec vous. Donc, on va déboulonner des faussetés, des mythes dans un premier temps. Gênez-vous pas pour me relancer. Gênez-vous pas pour être en désaccord. Si c'est le cas, demandez des précisions. On va aussi se poser, quand on est dans un contexte d'évaluer financièrement la décision ou la question
d'avoir acheté une résidence plutôt que d'avoir loué, on va parler de coûts. Aussi, on va se demander, finalement, une résidence, être propriétaire de son logement, est-ce que c'est vraiment un placement? Hein? On sait qu'il y a des gens qui justifient toutes sortes de situations d'acquisition de maison juste avec le simple argument de dire, ben, de toute façon, c'est un investissement, je vais récupérer mes billes, ça va prendre la valeur, c'est de la foutaise. Okay? Je vous dis tout de suite, c'est de la foutaise, cette affaire-là. Il y a des bouts qui sont vrais, mais c'est un truc complexe. C'est hybride, cette affaire-là. Là. Il y a du plaisir en masse, il y a de la jouissance en masse à être propriétaire. Il y a un peu de plus-value, il y a un peu de rendement, mais c'est tout ça qu'on va démêler aujourd'hui. L'impôt tente de nous donner un coup de main à l'accès à la propriété. On en a déjà parlé, du RAP notamment. On va revenir là-dessus, puis je vais vous parler d'un nouvel incitatif qui est tout nouveau depuis le budget 2019. Juste voir de quoi il s'agit par rapport à ce nouvel incitatif-là à l'achat d'une première propriété. On va lister, on va faire un inventaire pour se compter vraiment la véritable histoire de l'acquisition d'un logement. On va regarder tous les déboursés, parce que c'est un peu là que le bas blesse. Souvent, les gens ne comptent pas tout. Okay? Ils ne comptent pas tous les éléments qui sont en jeu, qui sont pertinents à l'analyse locataire ou propriétaire. Donc, on ne prendra pas de chance, on va toutes les lister. Puis on va discuter pour voir où ça se place, tout ça. On va se faire une petite ligne ouverte. On va se faire une petite ligne ouverte de 5-10 minutes sur les hypothèques. OK? Vous allez acheter une maison à un moment donné. On va vous parler d'hypothèques inversées. On va vous parler d'hypothèques ouvertes, fermées, variables, fixes, amortissement, durée. On va se prendre 10 minutes, puis on va jaser de ça. Et on va aboutir à un modèle cartésien, mathématique, financier, logique sur combien ça coûte pour de vrai être propriétaire. Mais vous comprenez que ce jeu-là de dire comment ça coûte, c'est comparativement à quelque chose. C'est pas dans l'absolu comment ça coûte être propriétaire. C'est comment ça coûte par rapport à l'option qui est d'être locataire. Puis des fois, ça sera pas un coût dans cette idée-là, parce que des fois, ça va être avantageux d'être propriétaire, mais des fois, être propriétaire, ça va coûter plus cher qu'être locataire, et c'est là qu'il y a un coût. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'un coût quand on va arriver à l'analyse ultime par une méthode financière. Je ne vous cache rien. Toutes ces grandes idées-là, honnêtement, de finances personnelles, ces coups d'œil, ces lunettes-là qui éclairent tout, c'est Éric Brassard qui les a vraiment développées la plupart du temps. Et vous avez la chance, je sais qu'au niveau là, de la mise en forme, puis ça date, là. Tu sais, quand tu regardes le look là, du volume que je vous ai demandé de lire, là, différents chapitres, un chez soi à son coût, quelque chose de même, un chez moi à mon coût. Mais ce qui est dit ne date pas. Tout ce qui est dit là-dedans, c'est intelligent, puis c'est encore très, très pertinent. Okay? Donc, vous avez la chance, on avait appelé Éric Brassard, on dit, en fin de carrière, tu rends-tu ça une ressource éducative libre, tu n'en vends plus de ces livres-là. Il a dit, ben oui, pas de problème. Donc, ça marche de même, les ressources éducatives libres, c'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes chanceux, vous allez avoir le même volume pour les voitures. Il a fait le même genre de volume où il a vraiment abordé toute la question, si vous vous demandez. Tu sais, la question d'une voiture, c'est pas louer ou acheter, là. Tu s'entends? Donc, on va reparler de ça la semaine prochaine, vous avez des belles lectures à cet effet-là. Et on va finir avec le cas, comme j'ai mentionné. Alors, on va commencer par déboulonner un mythe. Dans la population en général, il y a quelque chose qui se produit, puis j'ai beaucoup de sympathie pour la plupart des gens, parce que c'est pas parce qu'ils veulent nécessairement pas comprendre, c'est que c'est assez complexe. Puis si je vous demandais sans aucune préparation de faire des calculs sur louer versus acheter, je pense que c'est la façon d'y arriver. Donc, c'est normal que monsieur, madame, tout le monde ait de la difficulté. Mais le premier mythe là, qu'il faut tasser, qu'il faut mettre de côté, c'est l'idée que quand j'achète, l'argent que je débourse pour l'acquisition d'une maison, elle va me revenir. C'est un investissement. Donc, c'est préférable d'acheter puisque je vais retrouver mon capital. Alors que, qu'est-ce qu'on entend des fois dans les lignes ouvertes? Si je loue, je lance mon argent par la fenêtre. Ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est archi faux. C'est complètement faux, cette histoire-là. C'est pas comme ça que ça se calcule. Okay? Que monsieur, madame, tout le monde ne sache pas ça, c'est tel que tel. Mais vous, c'est correct en ce moment, si vous êtes un peu mêlé et que vous ne savez pas trop où je m'en vais avec ça.
Mais c'est sûr que vous devriez être capable de tout à fait comprendre puis intégrer ces idées-là. Mais si je vous le demandais tout de suite, rapidement comme ça, en gros, comment il faut le voir s'il ne faut pas le voir comme quand j'achète, je retrouve mon capital, je vais retrouver mon argent, puis quand je loue, je ne perdrai pas mon argent en lançant ça par les fenêtres. Comment il faut le voir si ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir? C'est quoi la grande idée, vous pensez, où je vais aller quand on va analyser être propriétaire versus locataire? C'est quoi la twist? C'est quoi le brassard à faire ressortir? C'est la façon de l'évaluer, ça? Non? De vos lectures, il n'y a rien qui ressort de ça? Oui? La différence des coûts. Oui. Exact. C'est ça. C'est rien que ça, Bruno, que je voulais. C'était ça. C'est cette idée-là que je veux que tout le monde aille tout de suite là. C'est que c'est sûr, pour des choses comparables, on s'entend, c'est sûr que si tu regardes le condo à gauche, que tu peux louer, c'est un 4,5, puis tu regardes le condo à droite, c'est un 4,5 que tu peux acheter, même affaire, c'est assuré qu'il va y avoir des déboursés plus élevés si tu achètes que tu loues. C'est normal. Tu payes, tu rembourses du capital, tu as une taxe de bienvenue, droit de mutation, des frais de notaire, tu as peut-être une assurance prêt de la SCHL, tu as des intérêts. C'est sûr que tu vas payer plus. Si tu ne payes pas plus, en étant propriétaire, là, ça veut dire que tu te fais avoir par rapport à la location pour un condo à gauche et à droite qui sont pareils, là, OK? Fait que ce que Bruno a dit, c'est exactement ça. L'angle qu'il faut donner, les lunettes qu'on doit prendre, c'est de dire, si je loue, j'ai moins de déboursés. Qu'est-ce que je fais avec ces déboursés-là que je n'ai pas à faire parce que je n'achète pas puis je loue? Bien, c'est sûr que c'est tout le temps à faire, c'est que je vais le placer. C'est pas j'augmente mon train de vie, sinon ça ne marche rien, tout s'effondre. Okay? On reste rationnel dans notre façon de voir la chose. Après ça, on fait ce qu'on veut. Je ne veux pas faire la morale. Après ça, vous voulez acheter, achetez. Mais vous allez être conscient, en sortant du cours aujourd'hui, de tout ce que ça comporte. Puis peut-être, sans dire que vous ne deviendrez jamais propriétaire, parce que ce n'est pas de dire que c'est jamais bon être propriétaire. C'est juste si tu es 4 fois propriétaire en 10 ans, tu ne me feras pas à quoi tu as fait de l'argent avec ça. Là. Okay? Non, mais il y a des gens qui vont dire qu'ils ont fait de l'argent. Pourquoi ils disent qu'ils ont fait de l'argent? Parce que regardez, calcule ça comme ça, eux autres, ils ont fait de l'argent. « Ah, moi, j'ai fait de l'argent. J'ai acheté mon condo 150 000 il y a 10 ans, puis je l'ai vendu 200 000 aujourd'hui. J'ai fait 50 000 piastres. » Excuse? OK? C'est pas du tout comme ça qu'on calcule le profit ou l'écart ou le coût relié à avoir acheté un condo. Qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Bien, première des choses, est-ce que c'est beaucoup, ça, 50 000 sur 10 ans? Si vous faites votre petite règle là, de 72, là, hein, vous rappelez la règle de 72? Ça double de valeur quand le temps fois le rendement, ça fait 72. Donc, j'étais à 10 ans, 7,2. À 7,2 %, j'aurais doublé. Est-ce que j'ai doublé? Pour pantoute, ça fait un tiers. Donc, à l'œil, j'impressionne le monde dans les cocktails. Je n'ai même pas de calculatrice. J'ai dit ça, ça donne 3 %. Il dit, tabarnouche, je m'as-tu calculé ça? Ah, bien, vous ne connaissez pas la règle de 72. OK? Bon. Fait que là, ici, là, première des choses, on ne capote pas avec ça, c'est un rendement de plus-value de 3 % de 1. Il n'y a pas les intérêts, il n'y a pas les droits de mutation, il n'y a pas peut-être l'assurance prêt SCHL, il n'y a pas les notaires, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule ça, ça n'a aucun rapport. Mais les gens calculent ça de même. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Première ou autre chose dans l'idée de déboulonner un mythe. OK? Pose une question. Une bâtisse, OK? L'enveloppe, là. Le contenant. La bâtisse. Une bâtisse, est-ce que ça prend de la valeur? Je pose la question. Pensez, think slow. Une bâtisse, est-ce que ça prend de la valeur, une bâtisse? Votre client vous demande ça, vos parents, votre oncle, votre tante. Est-ce qu'une bâtisse, ça prend de la valeur? Est-ce que ça prend de valeur, la bâtisse? Que là, il faut que tu répondes à la question. Ne détourne pas la question. Oui? En termes monétaires, on va penser qu'il y a besoin d'argent, mais c'est juste à cause de l'inflation. Juste le montant de l'inflation qui augmente. Je te dirais, c'est intéressant que tu aies de l'inflation. C'est vrai de tout, par exemple, l'inflation. Tu sais, un rendement, quand je vous dis que mon portefeuille de placement sur 30 ans, long horizon croissance, ça me donne 7 %, bien, c'est un 7 %, mais il faut que j'enlève l'inflation pour voir mon pouvoir accru. Tu as raison, mais tu sais, donc c'est tout le temps ça. Moi, ce que je veux plutôt vous dire, c'est vous amener en chimie, un cours de chimie, OK? Tout ce qui s'oxyde, là, tout ce qui est en contact avec l'air, là, ça perd de la valeur parce que ça devient désuet. Vous comprenez? Donc, une bâtisse,
ça ne prend pas de la valeur, pas du tout. Puis tu as raison, Nicolas, quand tu parles d'amortissement. Dans le fond, ce qu'on veut dire par amortissement, c'est de dire que si tu veux garder la même valeur de bâtisse, faut que tu la répares. Faut que tu fasses de l'entretien, réparation, faut que tu changes le toit à un moment donné. Faut que tu changes les portes, les fenêtres, la fondation. Ça perd de la valeur, une bâtisse. Là, vous savez où je m'en vais. C'est quoi qui prend de la valeur? C'est le terrain, la titre. Fait que si tu étais vraiment dans une mentalité de placement, de rendement, tu t'achèterais juste un terrain, tu mettrais une tente dessus. OK? Je ne vous demande pas, là. Je sais que je suis drastique des fois dans mes histoires. Je ne vous demande pas ça, mais je vous fais réaliser que c'est le terrain qui prend de la valeur. OK? C'est bon pour ça? D'autres histoires de mythes. OK? Comment voulez-vous? Pouvez-vous m'expliquer, moi, comment être propriétaire, ce serait forcément une meilleure décision qu'être locataire lorsque, dans une situation X, le fait d'être propriétaire m'amènerait, dans mon exemple, m'amènerait, OK, à avoir un terrain plus grand où je suis le seul qui a accès au terrain, être plus tranquille des voisins, personne qui me marche à la tête, un sous-sol aménagé, un deuxième étage, un solarium, une verrière, une plus grande superficie. Comment voulez-vous, quand je vous dis tout ça, que je sois sérieux puis vous dire, ça, là, tout ce que je viens de vous dire par rapport à être locataire, ça coûte moins cher qu'être locataire parce que quand tu es locataire, tu lances ton argent par les fenêtres. Comment tu veux que ça marche, cette affaire-là? Ça n'a aucun sens. Ça m'en fait qu'un auto, là, la semaine prochaine. Là. Tu sais, je prends tout le temps le même exemple. Là. Je fais rouler en Audi, A4, puis en Golf pour le même prix. Il n'y a personne ici, ils savent, tout le monde sait qu'on peut mettre le même versement pour les deux. La différence, c'est que l'Audi, je fais juste louer, puis après 3 ans, tout est recommencé. La Golf, bien, elle m'appartient après 3 ans. Tout le monde ici comprend que ce n'est pas le même coût économique. OK? Pourquoi que ce serait différent pour une maison? OK? Alors, ce n'est pas nécessairement la question d'acheter ou louer. Ce n'est pas ça qui est le plus grand déterminant sur est-ce que c'est rentable d'être propriétaire de son logement ou pas. OK? Encore une fois, je vous le répète, je vais arriver avec des idées, je vais arriver avec des situations où c'est rentable, où ça coûte moins cher. Quand on dit rentable, c'est ça, je veux dire, ça coûte moins cher d'être propriétaire, mais pas dans tous les cas. OK? Alors, c'est pas logique de dire je vais avoir toujours plus parce que je suis propriétaire, puis c'est la meilleure option, bien, ça va me coûter moins que je suis locataire. Oubliez ça, c'est pas de même que ça fonctionne. Donc, d'autres arguments que les gens de l'industrie, les agents immobiliers, les prêteurs de fonds, d'hypothèques, peuvent vous amener, OK? L'achat favorise l'épargne forcée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'achat, première des choses, comprenez-vous qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? Quand ils vous disent ça, l'achat favorise l'épargne forcée, qu'est-ce que ça veut dire ça? Versus location, toujours versus location, c'est tout le temps ça mon histoire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? L'achat, ça favorise l'épargne forcée? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est comme un genre d'épargne. Parce que tu rembourses le capital, tu vas en retrouver une partie, mais c'est bien incomplet parce que le calcul est bien plus complexe. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais moi, je veux juste vous dire que c'est pas parce que tu deviens locataire que tu perds la map et que tu es dépourvu de toute logique financière. OK? Donc, moi, je le comprends, mais c'est un argument par défaut, là. C'est un argument un peu « loser », je vais le dire, OK? Je veux dire, l'épargne forcée, là, moi, je suis capable, si je comprends mes finances personnelles, d'avoir un comportement où l'argent de trop parce que je suis locataire pendant 5 ans avant de m'acheter une maison, je suis capable de la placer aussi, là. Je ne suis pas obligé de la dépenser dans un train de vie plus élevé. Il faut juste comprendre ça. Il y a un piège, c'est vrai qu'il y a un piège, mais pour moi, ce n'est pas un argument vraiment, qui en vaut la chandelle, que l'achat favorise l'épargne, on peut aussi épargner quand on est locataire. S'il y a quelque chose, quand on achète une maison, on devient un peu gaga, puis c'est plutôt le contraire, on veut tout s'acheter, s'acheter plein de choses. Okay? C'est un inducteur de coûts, plus que d'autres choses. Le locataire assume une portion du profit du propriétaire. Bien, c'est complètement illogique, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai qu'un propriétaire d'immeuble à logement, lorsqu'il te loue, il fait un profit, mais je veux dire, on est dans un monde capitaliste, tout à fait d'accord. Ça ne veut pas dire que louer, c'est une mauvaise décision parce que l'autre fait un profit. Parce que tout ce que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas après vous parler que l'immobilier, ce n'est pas un bon placement. Je ne suis pas après vous dire que les immeubles à logement, oubliez ça, c'est pas bon. Non, je vous parle de la résidence principale ou d'un chalet, je vous parle de ça.
les immeubles à logement, ça peut être un très bon placement. Il faut être calculé, par exemple. Tu sais, si je fais mon vrai calcul d'immeuble à logement, puis ça me donne un rendement de 9 %, vous comprenez que moi, je peux m'asseoir sur mes fesses, puis attendre 30 ans, puis faire 7 %, là. OK? Donc, moi, je vais tout le temps comparer avec le zéro effort à 7 %, si avoir un immeuble à logement avec des locataires qui vont m'appeler parce que la plomberie a lâché, puis tout ça, puis je passe de 7 à 9, je ne suis pas sûr, ça vous appartient, mais il faut le faire, le calcul. Donc, oui, immeuble locatif, c'est un placement, mais là, je parle de résidence principale. Le propriétaire bénéficie d'un traitement fiscal avantageux. Donc, quand on est rendu là, on est un peu désespéré. Si on essaie de vous vendre l'idée d'être propriétaire en vous disant, hey, oubliez pas une exemption là-dessus. Pourquoi c'est un peu désespéré? C'est parce que qu'est-ce que vous faites avec l'argent si vous n'avez pas une maison, si vous n'êtes pas propriétaire, avec l'excédent déboursé? Vous le placez. Là, on a eu ce secours là-dessus. Là. On le place où? REER, CELI, régime enrichi. C'est des abris fiscaux, ça? Ben oui. Fait que. C'est correct. Oui, je comprends. Une résidence principale, c'est, il y a une exemption d'impôt. Mais tous tes placements, tous tes, où tu vas placer ton argent, c'est des abris fiscaux aussi. Fait que, tu sais, c'est 4,25 cents pour une pièce à ce niveau-là. Puis, il faut comprendre que l'exemption, elle se calcule par rapport à un gain en capital qui serait un peu... qui serait mal calculé. Je parle en termes conceptuels. Je ne veux pas tout remettre en question, mais le produit de disposition moins le PBA, quand on parle de résidence principale, ça ne serait probablement pas la meilleure façon de démontrer le gain sur un immeuble, sur une résidence principale. Okay? C'est ça le topo, c'est ça les propos d'aujourd'hui. On va voir ça. Mais dans le fond, si on conclut sur cet aspect-là, de dire que, contrairement à ce qu'on nous dit beaucoup, que ce n'est pas automatique qu'être propriétaire, c'est la meilleure des choses, bien, on peut dire que les comparaisons sont difficiles. C'est vrai que c'est difficile. Tu sais, moi, je suis avec mon condo, 4,5 à gauche que je peux louer, 4,5 à droite que je peux acheter, mais en vérité, probablement que des fois, votre tentation, c'est être locataire, puis acheter une maison que vous trouvez un petit peu plus belle, puis un peu mieux que l'appartement, tu sais. Fait que je ne suis pas après vous dire de ne pas devenir propriétaire, je fais juste dire de ne pas se presser à être propriétaire. C'est surtout ça, l'histoire. Okay? Donc, les comparaisons sont difficiles. Les calculs sont complexes pour la population générale. Puis, si je vous demandais, là, directement de me faire un calcul, ça serait un peu laborieux, selon moi. OK? Il faut faire les calculs puis les bons calculs. Mais à quelque part, là, tu peux juste lever la tête. OK? Juste lever la tête. Je m'excuse de dire des évidences de même, mais ce sont des évidences qu'on n'entend à peu près jamais. Si vous voulez savoir... qu'est-ce qui coûte plus cher, acheter ou louer? Ce n'est pas une question nécessairement d'acheter ou louer. Okay? C'est lève ta tête, regarde autour de toi, puis si tu compares dans un même quartier, les mêmes écoles, les mêmes services, les mêmes boisés, les mêmes parcs, OK? Puis si tu compares, disons, un logement que tu souhaites louer, puis qui a 1800 pieds carrés, puis tu voudrais acheter une maison ou acheter une maison de 1200 pieds carrés, c'est sûr qu'acheter, ça va coûter moins cher. Parce que la superficie, en bout de ligne, va faire la différence. Puis, à contrario, si tu veux louer un appartement de 1200 pieds carrés ou tu veux acheter une maison de 1800 pieds carrés, dans le même quartier, les mêmes CPE, tous les mêmes services, bien, acheter va te coûter plus cher. C'est comme mon histoire de la Audi puis de la Vaux de tantôt. Pourquoi, tout d'un coup, ça deviendrait moins cher, avoir plus, juste parce que moi, j'ai acheté? Non, ça ne marche pas comme ça. Okay? Puis là, je vais vous le faire, le topo, sur quoi je vais vous mettre en garde, parce qu'on va le voir, vous en doutez bien. À un moment donné, nos modèles de calcul vont faire en sorte que devenir propriétaire, ça va être rentable. À un moment donné, devenir propriétaire, c'est mieux que louer. Mais sur quoi vous pensez? C'est quand on la garde un certain temps. Je n'ai pas une règle du pouce de vous dire au moins 5 ans. Au moins... si tu la gardes 10 ans, là, puis que, en gros... tu n'as pas exagéré, tu es resté dans tes moyens et tes besoins par rapport à l'achat, c'est tout à fait correct. Sur quoi je veux vous faire réfléchir, puis là, je vais faire une caricature très gras, OK? Mais vous allez reconnaître un peu de vérité là-dedans, c'est que prenez quelqu'un, jeune couple, vous étudiez pour être CPA, vous venez CPA, toi et ta blonde, les deux, vous avez 22 ans, 23 ans, disons 23 ans, puis là, vous êtes pressé d'acheter votre première maison parce que vous pensez que c'est être propriétaire, c'est on retrouve l'argent, puis louer, c'est jeter par les fenêtres. Maintenant, vous pensez de même, OK? Donc, à 23 ans, vous achetez un condo. Puis
Puis là, un des deux a une promotion à Montréal, le couple prend une décision familiale de couple, plutôt à ce moment-ci. Ils déménagent à Montréal, les deux. Fait que là, ils vendent leur maison. On est 3 ans après l'achat de la première maison. Ils rachètent une maison à Montréal. Ils ont été propriétaires. Ils vont continuer à être propriétaires. OK? Donc là, on est 3 ans plus tard. C'est une petite maison encore, c'est en banlieue de Montréal. Là, ils ont un enfant. Bien là, on ne peut pas élever notre enfant dans cette maison-là. C'est bien trop petit. Fait que là, on est 3 ans plus tard, on est 6 ans après. J'ai une troisième maison. Puis là, je vais finir mon histoire avec un divorce, 3 ans après, OK? Donc, une chance sur deux. Fait que là, qu'est-ce que dans mon histoire, j'ai 10 ans, j'ai 4 maisons. Non, non, oublie ça, là. Ça, c'est sûr que c'est aucunement rentable d'avoir été propriétaire. On aurait été bien mieux d'être locataire. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est les frais initiaux quand tu es propriétaire. Tu ne les récupères pas. Tu n'as pas le temps de les récupérer par une plus-value digne de ce nom. Tu sais, sur 2 ans, ça peut perdre de la valeur. On peut en gagner un peu. Ça peut en perdre. Donc, tes droits de mutation, hein, je reviens là-dessus. Tes frais de notaire, d'accord? Ton assurance prêt SCHL, si tu n'as pas mis 20 %. Tout ça, c'est des frais. Tes déménagements, tes frais de déménagement. On va les voir tantôt. Tu ne récupères pas ça. Donc, c'est simplement de dire, oui, devenir propriétaire, mais quand on a un horizon devant nous, pas quand on a une courte période et on a des incertitudes. Alors, j'ai assez parlé, je vous pose une petite question caoutchouc. Je le sais, pour certains, ça va être écrit en petit pas mal. Là. Donc, quelle proposition constitue un coût pour un propriétaire de logement? Okay? Donc, toute forme de déboursé, ça c'est A. Prix, B. Le prix payé à l'achat pour un produit consommé. Je vous demande qu'est-ce qui est un coût pour un propriétaire de logement? C'est le prix payé à l'achat pour l'achat de la maison. D, le remboursement du capital d'une hypothèque. E, le paiement des intérêts sur l'hypothèque. F, pour un propriétaire, encore une fois, c'est un prétexte. C'est pour ouvrir une discussion. C'est discutable, les réponses que je vais vous donner. C'est de ça que je vais vous parler. Alors, comprenez que quand je vous parle de coûts pour quelqu'un qui est propriétaire de sa résidence, je fais référence à un élément qui ne sera pas récupéré, qui est consommé. D'accord? Donc, si je vous parle de toute forme de déboursé, est-ce que ça peut être un coût pour un propriétaire de résidence? Bien non, pas toute forme, parce que le capital, ce n'est pas vraiment un coût. On rembourse notre emprunt, donc ça serait un déboursé qui ne serait pas un coût. Le prix payé à l'achat pour un produit consommé, bien oui, ça c'est carrément la définition d'un coût. Là. J'ai payé pour, puis la chose n'existe plus. Là. Fait que oublie ça, essaie pas de récupérer ça. Ça va? Le prix payé à l'achat pour l'achat de la maison, la mise de fonds, ben non, ça, je vais
récupérer ça. C'est bien imparfait quand on va faire l'analyse financière globale. Mais oui, il faut forcer d'admettre qu'on va recevoir le montant, la mise de fonds va être récupérée. Okay? Le coût va être récupéré. Le remboursement du capital d'une hypothèque, également, ça va faire partie des éléments qui vont être récupérés. À chaque dollar de prix de vente, chaque dollar remboursé, ça me fait un dollar de plus dans mes poches. Ça va? Le paiement des intérêts sur une hypothèque, oui, ça, c'est un vrai coût. Les intérêts, bien sûr, c'est un coût. C'est pas nécessairement, c'est pas récupérable. Puis c'est surtout pour le F que je vais vous parler. Et ça, c'est important. Parce que quand on va faire l'analyse propriétaire versus locataire, l'élément qu'on oublie de calculer, qu'on oublie de présenter, c'est le coût de renonciation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de dire, quand je suis locataire, j'ai accès à des sommes d'argent auxquelles je n'ai pas accès quand je suis propriétaire parce que les déboursés sont plus élevés, propriétaire versus locataire, et j'ai place. C'est cette idée-là. Alors, pour un propriétaire, à tout moment, la juste valeur marchande de ma maison, moi, est-ce que je dois dessus en hypothèque? D'accord? J'ai une maison, je peux la vendre 300 000 aujourd'hui. Mon hypothèque est de 100 000. Bien, demain matin, je pourrais avoir 200 000 dans Montréal, dans mon CELI, si j'ai de l'espace, peut-être, patata. Mais j'ai 200 000 que je peux placer, vous me suivez? Donc, ce 200 000-là, fois mon rendement espéré, c'est un coût différencié quand je compare le scénario être propriétaire versus être locataire. Ce qui m'amène à dire quelque chose de très, très important. Des fois, vous allez entendre ça, les personnes plus âgées, peut-être vos parents vont dire ça. « Ah, nous autres, on reste à la maison, on garde la maison parce que c'est un bon investissement, puis elle est payée. » Elle est payée. Ils disent ça, elle est payée. Ça existe-tu, ça, une maison payée, je parle en termes conceptuellement, là, de ce qu'on, où on s'en va dans notre analyse? Mais non, ça a un coût. Parce que si tu as une maison qui coûte 300 000, qui vaut 300 000, tu pourrais vendre 300 000, puis tu ne restes plus d'hypothèque, demain matin, tu pourras avoir 300 000 de placés dans des portefeuilles de placement qui te rapportent 6 % sur 20 ans. Donc, comprenez cette histoire-là? Donc, même quand la maison est payée, dans le sens qu'il n'y a plus d'hypothèque, il y a des coûts associés à ça. Et ça, c'est le bout qu'on ne tient pas compte d'habitude, puis que, tu sais, qui vient un peu nous fatiguer. On n'est pas habitué à penser comme ça. Alors, là-dessus, je vous pose une autre question. K.O.? Juste pour voir si on s'est bien compris ce qu'on vient de dire. Expliquer un peu le concept du coût de renonciation. C'est pas grave, on se décourage pas. On se décourage pas. On est venu ici pour apprendre, pas vrai? OK, donc, ça revient à mon exemple, la maison est payée, là. Ça revient, l'exemple, la maison est payée. Les participants à l'OD ont gagné la maison, elle vaut 300 000, puis elle aurait donné comme prix, donc il n'y a pas d'hypothèque dessus. D'accord? Les frais mensuels sont de 800 $ donc 800 $ fois 12, 9 600, ça, ça va. Mais le 300 000 pourrait n'importe quand ils vont se séparer, là, ils vont le vendre, le 300 000, ils pourraient placer ce 300 000-là. Puis leur horizon de placement, ici, j'ai dit qu'il est de 6 % parce qu'ils sont conseillés.
300 000 fois 6 % ça fait 18 000. Donc, le jour où tu vends ce capital-là, tu vends cette maison-là, tu as un potentiel de 18 000 $ de rendement à chaque année. Donc, c'est un coût de renonciation. Je sais très bien qu'après, il faut voir qu'ils payent un loyer, ça, je le sais. Mais le jour 1 où ils vendent leur résidence, il y a un coût de 27 600 par rapport à la comparaison avec le loyer. Ça va? Donc, c'est l'idée du coût de renonciation que je voulais faire ressortir ici. OK, donc, quand on se pose la question, est-ce que votre résidence, c'est un bon placement? Bien, une des difficultés, c'est la notion hybride dont je vous parlais. OK, si je me fais deux colonnes, je me mets des caractéristiques, je me mets deux colonnes. Je parle d'investissement, puis on se pose la question, est-ce que c'en est vraiment un? Mais investissement dans une résidence principale versus investissement dans un immeuble locatif. C'est évident qu'un investissement dans un immeuble locatif, c'est un investissement. Il y a un rendement. Maintenant, il faut le calculer, voir est-ce que ça en vaut la peine compte tenu du trouble, compte tenu du risque, compte tenu de tous ces facteurs-là. Mais ça, c'est réellement un placement. Investissement dans une résidence principale, c'est plus compliqué que ça. Parce que si on regarde les caractéristiques que j'ai mises ici, le plaisir personnel, la jouissance de détenir, d'être chez moi, puis pas avoir de voisin, puis avoir la paix, disons, puis trouver ça beau chez nous, puis inviter du monde chez nous, OK? Bien, c'est sûr qu'il y a un plaisir personnel par rapport à une résidence principale, par rapport à un immeuble locatif, c'est plutôt froid, c'est cartésien, c'est pas, tu sais, j'en jouis pas, là, de mon immeuble locatif, là, à la base, OK? Bon, dépenses déductibles d'impôts, c'est sûr qu'il n'y a rien de déductible par rapport à la résidence principale. Aux États-Unis, en passant, je ne sais pas si vous le savez, les intérêts sur la résidence principale sont déductibles d'impôts, pas ici. Alors, la notion de dépenses déductibles d'impôts, bien, c'est seulement, bien sûr, pour les immeubles à logement. Toutes dépenses engagées qui sont raisonnables pour gagner un revenu sont déductibles. Génération de revenus, la capacité à générer du revenu, bien, une résidence principale, non. Il n'y a pas de revenu, il y a une plus-value, mais il n'y a pas de revenu à chaque année. Sur un immeuble locatif, bien oui, tu as des revenus de tes locataires, des revenus de location chaque année. Création d'une plus-value, c'est là qu'il vient, ça vient un peu mélanger le monde, OK? Oui, il y a une création de plus-value sur la résidence principale. L'immeuble locatif, on le savait, résidence principale, on le sait aussi. Et c'est ça qui vient tout mêler les gens. À cause de cette plus-value-là, on pense qu'il n'y a pas de coût, parce qu'on ne sait pas comment calculer le coût, mais le coût, c'est relatif à c'est quoi mon choix? Ton choix, c'est d'être locataire, OK? C'est comme ça qu'on l'aborde aujourd'hui. Traitement fiscal avantageux, oui, il faut le dire, la résidence principale est exemptée, donc oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un traitement fiscal avantageux. Inclusion du gain à 50 % quand j'ai un immeuble locatif, bien ça aussi, c'est un traitement fiscal avantageux. La récupération d'amortissement, on sait que c'est tout imposable parce que c'est juste la vieille amortissement qu'on a pris qui était tout déductible. Hein? C'est ça l'histoire. Alors, c'est ces deux vocations-là pour la résidence principale d'être à la fois un petit peu placement, mais beaucoup, beaucoup plaisir, qui font les calculs complexes et que la meilleure méthode, c'est de comparer les scénarios propriétaires-locataires. Alors, si on continue sur votre résidence, un bon placement, il y a des nuances, OK? Il y a des nuances à apporter. C'est sûr que si votre résidence principale, vous l'achetez au lieu d'être locataire, puis c'est dans un coin prisé, sollicité par les touristes français ou européens, puis tu leur fais un petit shed en arrière sur ta cour, puis tu leur charges 1000 piastres par semaine, OK? Bien là, ça vous aide à rendre l'histoire intéressante puis financièrement rentable, OK? Encore une fois, c'est une caricature, très gras, mais c'est sûr que j'ai des revenus d'appoint en lien avec ma résidence. Là, c'est plus la même calcul. Ça peut être intéressant. Aussi, bien sûr, il y a des irritants à ça, mais aussi, bien sûr, si je dis, bien, au lieu d'être locataire, je vais être propriétaire, mais ce que je fais, le sous-sol, j'en fais un logement pour des étudiants ou peu importe pour qui, OK? Bien là, encore une fois, ça rajoute quelque chose d'intéressant à l'histoire d'être propriétaire. Fait que là, quand je vais comparer propriétaire versus locataire, là, peut-être qu'effectivement, même sur 3-4 ans, être propriétaire, ça va valoir la peine à suivre, mais ça rajoute. Où je décroche? Bien sûr. Puis là, vous l'entendez des fois. Là, c'est le chalet. OK?
comment vous pensez que ça peut être rentable d'avoir un chalet? T'sais, mettons que c'est ça votre argument. Si c'est pour le plaisir, parce que ça vous permet de relaxer, vous aimez ça, ça, c'est tout bien correct. Il n'y a pas de problème. Mais venez pas me faire accroître un chalet parce qu'il va faire de l'argent avec ça. OK? Bon, encore une fois, il y a des petites nuances. Si ton chalet, tu l'achètes, puis toi, dans le fond, c'est parce que tu voulais faire du ski pendant 2 mois, en janvier, février, puis louer tout le reste, puis tu réussis à bien louer, puis tu n'as pas de mauvaise histoire ou des mauvais locataires à un moment donné, peut-être que ça peut valoir la peine, mais c'est un méchant paquet de troubles pour avoir du rendement sur ton chalet. Dans un contexte comme ça, tu es bien mieux de faire quoi? Tu es bien mieux de le louer pendant les 2 mois. Toi, tu le loues les 2 mois que tu en as besoin parce que tu veux faire du ski. Pas le contraire. Pas tu dis, je l'achète, m'a l'utilisé 2 mois, puis m'a loué 10 mois. Mais non, pourquoi tu te donnes ce trouble-là? Ah, mais c'est un placement. Faire attention, il faut faire des vrais calculs là, qui tiennent compte de tout. Parce que je vous dis ça parce qu'on l'entend, là. Les gens justifient toutes sortes d'achats immobiliers qui sont à la base des éléments de plaisir, puis ils pensent parce qu'ils vont vendre plus cher que le prix de vente qu'ils ont fait de l'argent. Mais voyons donc, c'est pas de même que ça se calcule. D'accord? Donc, chalet, c'est un inducteur de coûts, c'est ce que je dis. De façon générale, pas tout le monde à la même vitesse. Ça dépend des gens, mais pour bien des gens, on se fait prendre un peu là-dedans, on devient propriétaire, puis on veut à peu près tout améliorer, tout rendre plus beau, on change la cuisine, on change ci, on change ça, et ça amène des coûts, souvent qui sont pas calculés au début, puis qui se rajoutent. Alors moi, ce que je dis comme conclusion, beaucoup de gens justifient l'achat d'une maison qui va bien au-delà de leurs besoins en prétextant que c'est un placement, on va le récupérer, mais ça, c'est de la foutaise. Le seul placement ou le seul achat propriétaire de maison, de résidence qui est intéressant, c'est si tu es en fonction de tes moyens, tes besoins, puis ta garde plutôt longtemps. Okay? Mais c'est-tu plate, ça, comme discours, si je vous parlais tout le temps de même, là, personne qui écouterait. Okay? Donc, ça, c'est le discours plate de la conclusion. Quand est-ce que ça vaut la peine de devenir propriétaire versus locataire? Mais à un moment donné, on va arrêter de parler, puis on va calculer aussi. On va calculer ces choses-là. Donc, si on parle des différents incitatifs, il y en a des incitatifs, on a déjà discuté, on en a déjà parlé, mais il y a différents incitatifs, des allègements fiscaux qui existent pour ceux qui souhaitent devenir premiers propriétaires. Okay, on se rappelle qu'il y avait le RAP. Depuis 2019, c'est tout nouveau, là, c'est tout chaud ça. Depuis 2019, le RAP est passé de 25 000 à 35 000 par individu. Donc, pour un couple, on passe de 50 à 60 000. Ça, on l'a vu. Vous passez de 50 à 70 000. Premier achat de maison. Donc, tous les éléments que je vais avoir là, à part l'exemption résidence principale, c'est la même définition. Définition, c'est premier achat de maison ou ça fait 4 ans que je n'ai pas habité dans une propriété. Vous comprenez? Donc, on peut recommencer le RAP. Hein? Vous vous souvenez de ça? On peut recommencer le RAP quand ça fait 4 ans que je n'ai pas été propriétaire, si je l'avais été avant. Alors, ça, on les a toutes eues, les discussions, c'est-tu bon rappé, pas bon rappé, ça dépend. Hein? Il y avait un rap désastre que je vous ai montré, là, où tu n'as pas d'argent, puis la banque te prête de l'argent pour mettre dans ton REER, puis là, tu le retires en rap, tu rembourses le prêt, puis là, avec l'économie, le remboursement d'impôts, tu le mets comme mise de fonds à 5% après la vente à terre. Là. Okay? C'est sûr que ça, c'est pas bon, ce rap-là. Hein? Mais il y en a des bons rap. On les a eues, ces discussions-là. Quel autre incitatif fiscal qui existe? Crédit d'impôt. Okay, donc, c'est un crédit d'impôt de 5 000 $ premier achat, où ça fait 4 ans que je n'ai pas été propriétaire, c'est un crédit d'impôt de 5 000 $ autant au Québec qu'au fédéral. Ça ne donne pas le même chiffre à cause de l'abattement. Donc, c'est 15 % les crédits d'impôt, la plupart au Québec, donc 15 % de 5 000, ça donne 750. Le 15 % de crédit d'impôt au fédéral, ce n'est pas un vrai 15 % parce que le vrai taux d'impôt, plus petit taux d'impôt, ce n'est pas vraiment 15 %, c'est 12,52. Okay? Souvenez-vous de ça, fiscal 1? Okay? Si vous faites 15 % fois 83,5, oh, c'est quoi ça, fois 83,5 %? C'est que l'abattement est de 16,5. Okay? À cause de l'abattement. Bref, c'est pour ça, là, ceux qui se posent la question à un moment donné, écoutez, comment ça, il y en a un, c'est 750, l'autre c'est 626. C'est à cause de l'abattement qui s'applique sur les crédits d'impôt non remboursables. Okay? Deuxième, autre incitatif, on va en reparler tantôt, exemption fiscale pour la résidence principale. Donc, c'est une exemption par couple ou par individu. Bien, c'est-à-dire, si tu es en couple, c'est par couple, OK? J'ai deux maisons, on est un couple,
Tu sais, j'ai une maison puis un chalet, on est un couple, c'est pas chacun l'exemption. C'est on se bataille pour savoir qui va prendre l'exemption. OK? Surtout s'il y a un divorce imminent. Ça va? Ça, la définition de l'exemption, résidence principale, ça n'a aucun rapport avec première maison. Là. Ça, c'est à part. Là. C'est tout le temps présent. Tout le monde a le droit à une exemption pour résidence principale. Je vais vous le dire ici parce que ça me passe par la tête. J'ai peur de l'oublier parce que, tu sais, on a vu que c'était pas vraiment un placement. C'est pas vraiment un placement d'avoir une résidence principale. On va faire des calculs tantôt. D'accord? Mais peut-être qu'il y a des gens qui entendent parler de leur beau-frère ou des gens qu'ils connaissent de loin, pas trop proches, puis qui sont des contracteurs, puis dans leur temps perdu, ces gens-là, ils construisent une maison, ils habitent dedans 6 mois, ils la vendent, construisent une autre maison, ils habitent dedans, puis ils la revendent, puis font ça là, tu sais, à chaque 2 ans, à chaque année. Ça, c'est comme si tu trouvais un modèle d'affaires de contracteur, mais pas imposable. Okay. Est-ce que vous pensez que ça marche bien longtemps, cette histoire-là? Est-ce que vous pensez que ça attire un petit peu les vérificateurs? Ben oui, ça ne fonctionnera pas, ça, sur une longue période. Je vous dis ça parce que ça me fait penser à l'exemption. Elle est là pour une vraie détention, une vraie propriété, pas un truc comme je viens de vous dire. OK. Ce dont je veux vous parler vraiment, OK, qui est nouveau, tout nouveau, budget 2019. Puis quand le texte budgétaire est sorti, je pense en février ou en mars, 2019, c'était pas très clair cette mesure-là, comment elle fonctionnerait. Je vous explique l'idée. Le gouvernement se propose pour être partenaire de l'achat de votre première maison. OK? Le gouvernement fédéral est prêt à participer à hauteur de 5 % de la valeur de la maison, si c'est une maison usagée, jusqu'à 10 % si c'est une nouvelle maison, une maison neuve, d'accord? Donc, vous achetez votre première maison, le gouvernement vous propose d'être partenaire. Mais c'est ça la passe. Quand le texte budgétaire est sorti, on a simplement parlé d'un prêt sans intérêt de 5 % ou 10 %. C'est pas un prêt sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, c'est vrai, mais c'est une participation. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la participation? Ça veut dire quand vous allez revendre, vous allez rembourser cette participation-là, plus vous allez donner le pourcentage, 5 ou 10 % de votre profit. Puis le profit calculé tout croche, là, produit de disposition moins PBR. Il faut juste faire le calcul. C'est quoi le taux d'intérêt caché là-dedans? Hein? C'est ça qu'il faut faire, c'est tout le temps ça. Là, vous avez tous les outils. Mais c'est un peu compliqué, monsieur, madame, tout le monde. Hey, quand vont vous poser cette question-là, là, vos parents ou vos clients, c'est-tu bon, ça, la participation? Je devrais-tu... participer à ce programme-là, bien, je vais vous le montrer ici. OK? Donc, je veux vous parler un petit peu de cette participation-là. J'ai un petit exemple. OK? Donc, encore une fois, je vous répète les grandes lignes. Quand vous achetez une première maison, le gouvernement se propose d'être partenaire de cet achat-là. Il peut investir une participation de 5, jusqu'à 5 % si c'est une habitation usagée, 10 % si c'est une habitation qui vient d'être construite, qui est neuve. D'accord? Il y a des critères. L'emprunteur ne doit pas avoir un revenu brut en haut de 120 000. Okay? Si tu l'achètes en couple, le 120 000, c'est revenu familial brut. Okay? Donc, pour être admissible, il ne faut pas dépasser 120 000. Aussi, il ne faut pas que votre prêt excède 4 fois votre revenu brut. Donc, si c'est 120 000, tu te rends jusqu'à 120 000. Bien, fois 4, ça serait pour un prêt qui peut aller geler, que vous irez voir ces détails-là. OK? Mais si on se met dans une vraie histoire, maison neuve, OK, on regarde, on va les démasquer, OK? Le gouvernement, on va les démasquer ici, OK? On va les démasquer parce que ça a l'air d'une super belle petite mesure, bien le fun, tout ça. Mais regardez ce que je trouve avec un exemple hyper simple, OK? Prenons une maison qui coûte 200 000, mais qui est neuve, qui vient d'être construite. Alors, la participation proposée, on n'est pas obligé d'accepter, bien sûr. Mais si on ne connaît pas les finances, puis on ne sait pas trop comment calculer ça, puis on voit juste ça comme ça va baisser mes paiements hypothécaires, parce que c'est ça l'objectif, baisser les paiements hypothécaires, je vais dire au gouvernement, viens-t'en, mets ta mise de fonds. Fait que le gouvernement va faire une mise de fonds de 20 000. Okay? Donc, on est rendu à 180 d'hypothèques, mais moi, je dois faire une mise de fonds, moi aussi. Alors, moi, je fais une mise de fonds, disons, de 20 %. On s'expliquera tantôt pourquoi que je tiens beaucoup à ce 20 %-là. Alors, ça vaut 200 000 l'achat de ma maison, le gouvernement me vale et je prends un emprunt hypothécaire de 140 000.
Alors, je commence mon calcul, faire l'analyse. Je regarde le paiement hypothécaire mensuel sans participation ou avec participation. Donc, quel va être mon paiement hypothécaire si mon emprunt est de 160 000? Quel est mon paiement hypothécaire si mon emprunt est de 140 000? Vous comprenez? Ça, c'est l'enjeu. C'est ça l'objectif dit du gouvernement ici. C'est de donner un petit break aux familles, faire baisser les paiements hypothécaires. À l'œil ici, baisse de 105$ à peu près, 105$ par mois. OK? Là, la question qui tue, c'est de dire, ça vaut-tu la peine ou pas? N'oubliez pas que si j'ai accepté la participation du gouvernement, n'oubliez pas que je dois rembourser, bien sûr, cette participation-là, puis 10 % de mon profit, puis un profit tout croche, calculé tout croche. Prix de vente, moins coût. OK? Ou plus rapidement, on peut juste dire, quelle est la participation? 10 % fois le prix de vente, ça revient à même, 30 000. Vous me suivez? Même affaire, là. OK? Alors, on doit remettre, si je vends 300 000 dans 10 ans, ça, c'est un rendement d'à peu près 2,5 par année, 3 % de plus-value. OK? Si dans 10 ans, je vends 300 000, je rembourse 30 000 de participation. 10 % fois 300 000, fait 30 000. Là, vous sortez vos calculatrices financières, puis là, vous dites, c'est un bon deal ou pas. Comment je calculerais ça? Je dirais, je sauve comme paiement à chaque mois 105$. PMT, 105. Cette histoire-là, ça dure combien de temps dans mon histoire ici? 120 mois. Mon N, il est 12. OK? Puis, finalement, je remets, valeur future, je remets combien? Je remets 10 000 parce que 20 000, ça, c'est ça, c'est du capital. Je remets leur argent. Je remets un profit de 10 000. Fait qu'ils m'ont fait sauver 105$ par mois, mais enfin, il faut que je leur donne 10 000. C'est assez simple. Compute l'intérêt. 4,89. Tous mes calculs, je l'ai fait avec un prêt hypothécaire de 4 %. Donc, je vais payer 4,9 pour sauver 4 %. OK? C'est le fun, ça? C'est bon, ça? C'est un beau programme? Pas tant que ça, hein? C'est bon pour qui? Bien, ceux qui sont désespérés puis qui, tu sais, sont vraiment, vraiment serrés. Mais si t'es serré, c'est peut-être parce que t'as pas les moyens de l'acheter, cette maison-là. Mais là, tu vas avoir un petit break, là. Mais à la fin, il faut que tu rembourses. Puis quand tu vas rembourser, bien, vous comprenez qu'il y a un rendement plus élevé que ce que tu as essayé de sauver en intérêt. C'est pas si démesuré, là. On parle de 4, là, je compare à 4,9. Mais il faut réfléchir à ça. Puis on comprend que, qu'est-ce qu'on comprend? Là, c'est avec un rendement de 3 % de plus-value. Mais si j'ai fait ce calcul-là avec un rendement de 6 %, là, comprenez-vous que l'intérêt, il gonfle ici, l'intérêt caché? Parce qu'il participe au profit, là. Ça va? Donc, analysez ça quand vous aurez à prendre cette décision-là pour vous ou les gens que vous allez conseiller. C'est un nouveau programme qui existe depuis 2019. C'est pas, pour moi, conclusion des courses, c'est pas extraordinaire, cette histoire-là, là. Coûte plus cher que l'intérêt que tu veux sauver. C'est bon pour ça? Question? Puis, je ne sais pas si c'était malveillant, mais pour de vrai, je répète ce que j'ai dit tantôt. Quand il y a eu les textes budgétaires, l'an passé, en février-mars 2019, bien, ils n'ont jamais parlé. Les gens se doutaient que c'était ça la mécanique, mais quand ils l'ont annoncé, ils ont juste parlé de la portion qu'on avancerait, le gouvernement avancerait une mise de fonds ou une participation, mais sans intérêt. Mais ils ne disaient pas qu'il y aurait le calcul à la fin où ils vont se prendre une quote-part du profit. Les gens, par exemple, semblaient penser que c'est ce qui se produit, mais ce n'était pas annoncé au départ. C'est un peu particulier, cette histoire. Pas très glorieux. OK, donc, dernier incitatif fiscal par rapport à la détention d'une résidence principale, bien, c'est la question, vous la connaissez, vous avez étudié en conformité, en fiscal 1 ou 2, je ne sais plus, probablement fiscal 2, l'exemption pour résidence principale. Alors, son fonctionnement, comment l'optimiser? Juste vous dire un petit truc de conformité qui ne changera pas vos vies, mais c'est important de savoir. Depuis octobre 2016, même si j'ai une seule, parce que vous comprenez que si j'ai une seule résidence, il n'y en a pas de calcul d'impôt à calculer parce que j'ai une exemption. Mais malgré, parce que où ça commence à être intéressant, puis on a à optimiser, on a des choix, on a des calculs, c'est quand j'ai une maison puis un chalet, ou une maison puis un condo en Floride. Là, c'est là qu'il faut que je pense c'est quoi le mieux, OK? Mais quand je n'ai juste une résidence, j'ai juste une maison, j'ai une exemption, puis c'est tout. Mais depuis octobre 2016, en conformité, on nous oblige à divulguer la transaction, même s'il n'y a pas d'impôt, parce qu'on a une seule résidence. Avant, on n'avait pas à faire ça. Et donc, probablement pour ramasser le contracteur que je vous parlais,
qui construit une maison, il habite 6 mois, il y a 20. Il construit une autre maison, il habite 2 ans, il y a 20. Bon, pour probablement retracer ces transactions-là ou avoir le levier pour les retracer. OK, alors ce que je viens de vous dire, j'ai une maison, je suis propriétaire, je vends cette maison-là 400 000, le coût est de 250 000, mon gain de 150 000. Si c'est la seule résidence que je possède, moi et ma conjointe, ou moi tout seul parce que je suis célibataire, bien, il n'y en aura pas d'impôt, puis ça finit là. C'est pas là que c'est intéressant. OK, où c'est intéressant, c'est ici, optimisation. C'est de dire que si j'ai cette même maison-là, avec les mêmes caractéristiques que je viens de vous donner, mais que j'ai aussi un chalet dont le prix de vente pourrait être de 250 000, la juste valeur marchande dans mon exemple est de 250 000, le coût est de 200 000, alors un gain potentiel de 50 000, là, il faut que je choisisse quelle habitation je vais désigner comme résidence principale. Et de détention où j'ai deux résidences ou plus, il faut que j'en désigne une, je ne peux pas désigner les deux. J'ai un choix à faire. Donc, est-ce que le choix... Disons que la maison a été acquise en... Non, ma question, c'est pas ça que je vais vous dire. OK, donc ici, vous voyez que la maison, il y a un gain potentiel de 150 000. Le chalet, il y a un gain en capital potentiel de 50 000. Est-ce que là, rendu avec cette information-là, en savez-vous assez pour savoir sur quelle résidence je devrais désigner une résidence principale pour les années de détention commune? Les années où j'avais à la fois le chalet... Puis la maison, est-ce que vous avez toute l'information ici? Tu sais, la maison, c'est 150 000 le gain, le chalet, 50 000. Est-ce que ça veut dire que je désigne la maison? Non, toi, tu le sais, c'est pourquoi? C'est quoi qui manque comme information? Et ça. Donc, la règle du pouce pour la désignation, quand j'ai deux résidences en même temps, c'est la hauteur du gain, mais du gain par année, comme tu viens de le dire, de détention. Alors, j'ai besoin de savoir, la maison, je l'ai depuis quand? 85? Ah, le chalet 2015. Alors, pour le chalet, c'est 10 000 $ de gain par année. C'est le chiffre que j'ai besoin pour connaître mon optimisation. On est en 2019. 2015, ça fait 5 ans de détention. 1985, ça fait 35 ans de détention, donc 4 285. Alors, pour les années communes de détention, c'est le chalet que je priorise. Parce que le gain par année est plus élevé. Donc, j'ai assez parlé. Je vous laisse 5 minutes pour me calculer, répondre à la question suivante. Vous disposez de la maison cette année, en 2019. Quel sera le gain capital imposable? Je vous laisse 5 minutes, puis je vous la pose en caoutchouc après. Vous n'êtes pas obligé de sauter, là, c'est le temps. Jasez, expliquez-vous, échangez entre vous, là. Aidez-vous.
On n'oublie pas qu'il y a des années gratis là-dedans, là. Hein? On aime ça, les années gratis? Il y a deux années. Il y a les années gratis pour le chalet, années gratis pour la maison. Utilisez-la à bon escient. Le plus un dans le numérateur, là. Il l'a pour le chalet et la maison. Hein, travailler en équipe, je veux que tout le monde ait la bonne réponse. Je vais tout donner les trucs, je vais tout donner les pièges. Faut que tout le monde ait la bonne réponse. OK, je vous pose la question sur KO. Bonne réponse. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce que c'est des problèmes de compréhension ou peut-être juste d'intervalle? T'sais, est-ce que vous comprenez que si on est en 2019, puis on parle d'année de détention, si on a acheté une résidence, le chalet en 2015, si vous comptez sous vos doigts, ça donne 5, pas 4. Il y a peut-être qu'il y a ça comme erreur, ça c'est moins grave. Et tout le monde comprend 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ça fait 5, ça. Okay? Donc, peut-être qu'il y en a qui ont pris le 4 parce qu'ils ont fait 2019, moins 2015, ça fait 4. C'est pas un bon raisonnement dans ce cas-ci. OK? Bon. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire-là? On sait déjà que pour les années communes, quelles résidences on désigne comme résidence principale? Tout le monde a compris ça, c'était le chalet. Le gain annuel, c'est 10 000. L'autre, c'est 4 000 quelque chose. Donc, les années communes. Quelles sont ces fameuses années communes où j'avais les deux à la fois? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Juste pour ces années-là, là, je dois faire un choix. Là, je vais désigner le chalet. Mais est-ce que j'ai besoin de l'année 2015 pour le chalet? Non, parce que j'ai un plus un.
J'ai un plus 1 qui traîne sur le numérateur, OK? Ça ne me donne à rien de faire 6 sur 5. Je ne gagnerai pas de prix là, avec ça, là. OK? Donc, je vais en désigner 4 de 2016 à 2019 pour le chalet. Ça va me donner 4 années de désignation plus 1. Il y a un plus 1 qui est dans formule. Ça fait 5. 5 sur 5 années de détention, j'ai une pleine exonération du gain capital sur le chalet. C'est ça que je voulais. OK? Donc, si j'ai désigné 2016 jusqu'à 2019 sur le chalet, toutes les autres années sont bonnes pour qui? Pour la maison. Alors, pour la maison, de 2015 à 1985, c'est ce que je vous disais, ça fait 31. C'est long à calculer ses doigts, vous êtes mieux de me croire. OK? Donc, ça donne 31, cette affaire-là. Vous faites-le avec un petit chiffre, 2015-2017. Ce n'est pas 2, c'est 3. 2015-2016-2017. OK? Parfait. Donc, 31. Ça, c'est mon numérateur. Mais l'affaire, c'est que j'ai un plus 1 pour la maison aussi. Dans ma formule, j'ai plus 1 sur le numérateur tout le temps. Donc, je suis à 32 sur le nombre d'années de détention. C'est ça le calcul, c'est 35. Donc, vous comprenez que l'exemption est de 32 sur 35. Vous me permettez de dire que le gain, c'est 3 sur 35? C'est correct? Et donc, l'exemption, c'est 32 sur 35, ce qu'on vient de voir. Et le gain, forcément, il est 3 par 35. Donc, mon 150 000 de gain, c'est 150 000 fois 3 divisé par 35, fois 50 % parce que j'ai demandé le gain en capital impôt. Parfait. Juste comme ça, si jamais vous revenez, puis tu sais, il y a des petites nuances que je dis, là, puis vous les avez oubliées, j'ai mis le lien de la question, tout expliqué en Wikifisc, là, ici, là. Parfait. Alors, ça, c'est pour la résidence principale. C'est important d'être habile avec ça. C'est dans la vie de tous les jours. Je sais que c'est pas tout le monde qui a deux résidents, mais il y en a quand même des gens qui ont un chalet puis une maison puis qui se posent ces questions-là. OK, donc, ce qu'il nous reste à faire jusqu'à la pause, on s'en va vers notre modèle mathématique. Ça fait longtemps que je vous en parle. Je vais vous proposer une méthodologie pour comparer le coût d'être propriétaire versus locataire de son logement. Pour arriver à faire ce calcul-là, on va simplifier la vie. On va prendre tous les déboursés. Tu ne peux pas te tromper. Si tu regardes tous les déboursés d'un achat versus tous les déboursés d'une location, d'accord? Puis tu regardes toutes les recettes d'un achat versus toutes les recettes d'une location, c'est sûr que tu ne te tromperas pas. Donc, pour arriver à faire ces calculs-là, il faut se faire un inventaire, il faut regarder, il faut se compter la vraie histoire, ce que les gens ne font pas toujours. Donc, je suis dans le scénario « j'achète » dans un printemps. Quels sont les déboursés à l'achat qui sont là seulement parce que je suis propriétaire? Si j'étais locataire, je n'aurais pas ces déboursés-là. C'est tout le temps ça la logique de ma méthode. Alors, on commence par la mise de fonds. Si j'achète, j'ai besoin d'une mise de fonds. Si je loue plutôt qu'acheter, cette mise de fonds-là m'est disponible. Si je l'avais pour acheter, je l'ai aussi si je loue. Mais si je l'ai puis je loue, je vais la placer. Okay? C'est tout le temps ça l'histoire. C'est là qu'on s'en va. D'accord? Alors, j'ai la mise de fonds. Quoi d'autre que j'ai comme déboursé initial une fois dans la vie quand j'achète une propriété? Je vais avoir aussi évaluation et inspection. OK? L'un ou l'autre, des fois les deux, la nuance et l'évaluation, c'est plus savoir la juste valeur marchande. L'inspection, c'est voir la toiture, elle va me lâcher quand? Les vitres, faut-tu les remplacer? Y a-t-il la pyrotite? Puis ces trucs. Bon, vous comprenez? Donc, si vous achetez, probablement, vous allez vouloir avoir une inspection avant d'acheter. Vous allez faire une offre d'achat conditionnelle au rapport d'inspection. Là, je ne suis pas nécessairement si à jour. Là. Vous pouvez me contredire, vous pouvez arriver avec des chiffres plus précis si vous avez acheté, si vous avez vécu ces frais-là dernièrement. Mais je pense qu'on peut dire autour de 300-500 comme frais. OK? C'est un ordre de grandeur. Certificat de localisation. OK? La plupart du temps, c'est le vendeur qui va payer pour le certificat de localisation. C'est quoi le certificat de localisation? C'est un arpenteur géomètre qui fait ça. OK? Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ton terrain, il regarde tes bâtisses, tes structures, puis il s'assure que ta piscine, elle ne dépasse pas sur le voisin, puis tu es obligé de la détruire, ta piscine. Ou que ton cabanon, tu es obligé de le scraper parce que la moitié est sur le terrain du voisin. Donc, en gros, c'est des idées comme ça. Alors, quand ça fait plus que 5 ans, ton certificat de localisation, le prêteur souvent te demande, comme vendeur, de produire un certificat de localisation. Je veux juste qu'on s'entende sur quelque chose. Économie. Mettons qu'on se parle en économiste, OK? On sait que ce n'est pas toujours exact, tout ça.
Mais est-ce que vous comprenez que si, même si c'est le vendeur qui le paye, ce qu'on comprend que dans un marché d'offre et demande, il y a un bout qui c'est l'acheteur qui va le payer indirectement par une surévaluation sur le prix de vente. En tout cas, il y a une négociation qui va rentrer là-dedans. Je pourrais vous dire c'est quoi la proportion, là. Okay? Mais vous comprenez que, tu sais, il ne faut pas juste dire, ah, c'est le vendeur, ça ne concerne pas l'acheteur. Même affaire, c'est encore plus évident sous la commission du vendeur. Vous comprenez? Je sais que c'est de plus en plus rare, mais il y a des gens, ils veulent vendre vite, ils ne veulent pas s'en occuper, ils prennent un courtier en valeur immobilière, puis mettons, ça coûte 5 % de la vente, tu vends ça 200 000, il y a 10 000 de frais qui vont à la commission. Donc, je sais bien que c'est le vendeur qui s'appauvrit, qui perd 10 000 sur son prix de vente, mais il en refile une partie dans l'équation d'offre et demande. Okay? Donc, le certificat de localisation, c'est un frais initial qui existe quand on achète. Pas toujours, mais ça peut arriver. Puis même si c'est le vendeur qui l'achète, comme acheteur, on peut le mettre dans l'équation en partie. Contrat de prêt hypothécaire, contrat d'achat. Okay? Quand on passe chez le notaire parce qu'on achète une nouvelle résidence, on achète une première résidence, on passe devant le notaire, l'acheteur doit payer ces frais-là. En réalité, il y a deux composantes à ce frais de notaire-là. Il y a une composante du document juridique qui est pour le contrat de l'hypothèque, de l'emprunt, puis il y a une partie du contrat qui est en lien avec l'acquisition de la propriété immobilière, bâtisse, terrain. Donc, mais ça se passe dans un seul temps, bien sûr. Là, je pense, si je ne me trompe pas, moi j'étais souvent avec 1 000 $ là, en tête, mais je pense qu'on est plus rendu vers 1 500 par rapport à ça. Okay? Je ne sais pas si quelqu'un a passé devant le notaire dernièrement. Je pense qu'on est plus vers 1 500. Quelqu'un semble avoir confirmé ce chiffre-là. Assurance hypothécaire, très important. Okay? Vous avez le lien sur le site de la SCHS. Si vous mettez en mode diaporama, le lien va vous amener là. L'idée très importante. Quand tu fais une mise de fonds de moins que 20 % et croyez-moi, la plupart des gens, malheureusement, qui achètent une première maison, sont tellement pressés, là, ils veulent juste avoir le 5 % pour passer. À 5 % c'est possible. Qu'est-ce qui se passe si je suis à 5 % de mise de fonds? Je dois faire assurer mon prêt hypothécaire par la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Quand je suis avec une mise de fonds de 9,99 % et moins, c'est 4 % du prêt que j'ai comme frais d'assurance hypothécaire. Donc, si j'ai un prêt de 200 000, j'ai fait une mise de fonds de 5 %, bien, je vais avoir 4 % de 200 000, je vais avoir un 8 000 $ paf, tout de suite. C'est une seule fois, une chance. C'est une seule fois, mais c'est quand même un frais qui n'est pas nécessaire. Là. Si on reste un peu plus longtemps locataire, on place l'argent, puis quand on a le 20 %, là, on devient propriétaire, on flush ce 8 000 $-là. Ça ne prend pas de temps. Donc, ça, c'est un élément clé que les gens ne tiennent pas compte de ça. Eux, ils s'en foutent. Ils rajoutent ça dans l'hypothèque. C'est comme s'ils ne le payaient pas parce que, « Ah, mais moi, donc ça dans mon hypothèque. Je vais le payer sur 25 ans. » C'est tout le temps ça, hein, l'histoire. Droit de mutation. Alors, à chaque fois qu'on devient propriétaire, il y a une taxe qu'on a appelée communément taxe de bienvenue. C'est en hommage au ministre qui l'a instauré. Parti québécois, 1976, s'appelait M. Bienvenue. Okay? Donc, la taxe de bienvenue, droit de mutation. Ça, c'est dès que j'achète une résidence, une maison, c'est une échelle, OK? Pour le premier 50 000 $ de prix d'achat ou prix de vente, c'est 0,5 de 1 % fois 50 000. Le bout entre 50 000 et 250 000, c'est 1 % Puis le bout en haut de 250 000, c'est 1,5. Puis en haut de 500 000, ils ont décloisonné ça. Il peut avoir des taux plus élevés. Ça dépend des municipalités. Okay? Donc, ça, vous pouvez aller sur le barème et calcul. C'est un lien. Vous allez avoir le chiffre exact du coût de droit de mutation. Donc, à chaque fois que vous achetez, dans mon histoire où ils ont acheté 4 maisons en 10 ans, ils ont payé 4 fois des droits de mutation. Qui passent de, tu sais, c'est 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 3 000 $. Quoi d'autre qui se passe quand je deviens propriétaire qui ne se passe pas quand je suis locataire? Solde de la taxe d'infrastructure. OK, ça, c'est un peu particulier. C'est assez rare quand même. Mais je veux vous le dire pareil. À Trois-Vers, ça existait. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand on a un contracteur qui développe un nouveau quartier, développer un nouveau quartier, ça coûte de l'argent à la ville. Pourquoi? Faire des routes, l'aqueduc, les égouts. D'accord? Cette facture-là est refilée au contracteur qui peut le mettre dans le prix de vente. Ça se peut, là, c'est souvent ça. Mais aussi, des fois, c'est dans une taxe
que le propriétaire va payer sur une certaine période, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, ça se peut que votre taxe municipale que vous payez à chaque année quand vous êtes dans un nouveau quartier, vous avez taxes scolaires, vous avez taxes foncières, vous avez les taxes d'infrastructure. Donc, c'est le 10 000, 15 000, 20 000 qui peut être payé sur 5, 10, 15 ans. C'est important de savoir si on l'achète neuf, on va y penser. Mais où on peut se faire coincer, c'est si tu l'achètes de quelqu'un qui a fait financer sa solde de taxes d'infrastructure, l'a fait financer sur 15 ans, puis s'il y a 4 ans qu'ils ont construit la maison, puis tu l'achètes 4 ans après, tu as un gros montant de taxes encore à payer qui est en surplus. Il faut que tu en tiennes compte quand tu compares quand tu fais tes comparaisons avec les autres maisons. Il y avait ça dans certains quartiers à Trois-Rivières. Donc, faire attention. Ce n'est pas toujours là, mais c'est possible. Oui, Gabriel? Peut-être, je ne sais pas. Tu dis que tu as déjà vu, toi, qui s'appelle taxe d'amélioration. C'est, l'indice, ça serait de dire, c'est un gros chiffre, toi, d'habitude, taxe d'amélioration? Tu le sais-tu? Comme pas dit, ça dit assujetti à la taxe d'amélioration pendant. Non, je ne pense pas que c'est la même chose, parce que ça, il faut vraiment qu'il l'isole. C'est un gros montant. Puis la ville, je vous le dis, là, le taux d'intérêt caché là-dedans, c'est épouvantable. C'est pas sur le marché, c'est beaucoup plus cher. Fait que les gens qui se financent ça en plus, c'est du 7-8-9% d'intérêt. En tout cas, Trois-Rivières, c'était ça quand je l'ai regardé la dernière fois. Donc, faire attention à ces éléments-là. Quoi d'autre à l'achat? Bien là, tu sais, OK, je pousse un peu mon histoire, là, les débranchements, les branchements, les rénovations. Quand on arrive dans un nouvel endroit, des fois, peut-être qu'on a payé un peu moins cher parce qu'on a un peu plus de réparations puis de rénovations à faire, à voir, à suivre, OK? C'est du cas par cas. Il faut en tenir compte. Achat de meubles électroménagers, OK, je le sais. Je sais que tu as besoin de meubles et d'électroménagers si tu es locataire ou tu es propriétaire. Il y a une petite folie qui s'empare de vous. Okay? Quand tu deviens propriétaire, tout d'un coup, il faut qu'il soit « Ah, bien là, la cuisine, elle va être blanche, puis regarde comme ça va être beau, si ça, c'est noir, fait qu'on va y changer. » Puis de toute façon, on peut juste payer en 48 mois chez Tanguay, genre. Okay? Bon, fait que ça peut se passer davantage si je suis propriétaire que si je suis locataire. Ça, c'est juste le comportement humain qui est comme ça. Frais de déménagement, je le sais qu'il est là des deux bords, okay? Plus ou moins cohérent, mais c'est juste pour vous dire si, dans mon histoire, on déménage 4 fois en 10 ans, bien, justement, ça fait en sorte que ça dédouble ces frais-là. Les imprévus, il y en a toujours. Tu deviens propriétaire, c'est sûr que tu n'as pas pensé à tout. Il y a des imprévus. Je l'ai dit, indirectement à la commission du vendeur. Si le vendeur vend par lui-même, ce que Gigi, il n'y en a pas de vase communicant. Mais s'il vend à grosse commission avec un agent, 5 %, c'est sûr qu'il essaye de vous refiler une partie de ça. Okay? Sa marge de manœuvre, de négociation est moins là. Ou s'il a passé avec du proprio, c'est 1 000 peu importe la valeur, bien là, c'est pas une affaire que s'il faut que tu payes 10 000. Fait qu'il y a un jeu, là, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Taxe de vente si la maison est neuve. Si la maison est neuve, il y a de la TPS TVQ. Si elle est usagée, il n'y a pas de TPS TVQ. C'est rare qu'on vous parle de TPS TVQ, là, fait qu'on va écouter ce bout-là. Alors, TPS TVQ, si elle est neuve, vous faites rembourser une partie. C'est pas des... Je ne connais pas toutes les règles parce que ça change tout le temps. C'est hyper complexe parce qu'il y a toutes sortes de barèmes. Mais en gros, c'est loin d'être complet. C'est comme 36 %, 40 %, c'est dans ces jours-là, de remboursement. Puis dès que tu as une maison qui vaut plus que, là, je dis un peu n'importe quoi, mais ça ne prend pas de temps que tu sors de l'application du remboursement. Là. À 400 000 de maison, c'est sûr que tu n'en as pas de remboursement. Puis même à 250 000 au Québec, je crois que... Bon, bref, je vous laisse, là, si ça s'applique à vous, de regarder ça. Mais normalement, ce remboursement-là, il est déjà considéré par le contracteur puis il est appliqué en réduction du prix de vente. Fait que, mais je veux juste vous dire que si j'achète une maison neuve versus acheter une maison que ça fait un an qui a été construite puis la personne qui l'a achetée ne l'a pas aimée, vous comprenez que 64 % des taxes, tu viens de les sauver par rapport à celui qui l'a acheté la neuve. Fait que si tu regardes une neuve puis tu regardes une qui est un an de vieux, mais là, tu sais, il n'y a pas de taxe. La taxe, c'est l'autre qui l'a payé. Fait que, ouais, c'est des enjeux de finance, ça, intéressant. Alors, tout ce qu'on vient de se dire, dans ma formule, dans ma méthodologie, dans ma méthode, il faut absolument que je retrouve tous ces frais-là comme coût initial à l'achat d'une maison. Tout ce que je viens de vous dire, ça n'existerait pas si j'étais locataire. Fait que si je suis locataire, cet argent-là, je vais apprendre et je vais la placer dans le REER-CELI. C'est ça, la méthode. C'est là qu'on s'en va. OK, il y a d'autres genres de frais quand je suis propriétaire, des frais, des déboursés qui n'existent pas si je suis locataire. À chaque année, à chaque mois. Ben à chaque année, excusez-moi. À l'occupation. À chaque année, il y a des frais qui sont là seulement parce que je suis propriétaire.
Les versements hypothécaires, bien sûr. Je sais que l'autre bord, je vais avoir le loyer. Dans mon modèle, je vais avoir le loyer aussi. Mais pour l'instant, je regarde les frais annuels qui sont récurrents d'année en année. Si je suis propriétaire, il y a les versements hypothécaires. Il y a les taxes foncières. Taxes foncières, taxes scolaires, taxes municipales. Je le sais que quand tu es locataire, tu t'en fais refiler une partie par le propriétaire. Je le sais, ça. Mais je veux juste vous dire que quand votre loyer est de 1 000 ça tient compte de ça. Okay? Tandis que quand vous achetez, là, vous recevez des relevés à chaque année pour payer vos taxes foncières. Donc, ça fait partie de l'équation. À chaque année, dans mon analyse, j'ai des taxes foncières à considérer si je suis propriétaire. Si je suis locataire, j'en ai pas parce qu'elles sont comprises dans le loyer. Fait que dans mon analyse financière de tantôt, il faut que ça ressorte sur les taxes foncières. Les assurances, c'est juste de dire que normalement, les assurances vont être plus coûteuses. Je sais qu'il y en a des deux côtés, mais quand tu es locataire, tu assures tes biens, tu as ta responsabilité civile, puis c'est ça. Si tu es propriétaire, il faut que tu protèges, t'assures ta bâtisse telle qu'elle. Alors, tout ça pour dire que ça va coûter plus cher. Fait que le différentiel entre propriétaire versus locataire, ça fait un élément à considérer dans notre modèle mathématique. L'entretien et rénovation. C'est sûr, il va y avoir de l'entretien et rénovation. Tu es propriétaire, c'est sûr qu'il faut que tu changes tes fenêtres à un moment donné. Les fondations, le stationnement, la toiture, bref, pas tout en même temps. Puis pas toujours, mais il y a tout le temps quelque chose. Tout le temps quelque chose. Donc, si tu es locataire, tu refiles ça au propriétaire. Hey, il y a de la plomberie, là, ça a coulé, viens réparer ça, etc. Donc, il faut en tenir compte dans notre modèle. Pelouse, arbustes, entrée. Bon, là, je marque un paquet d'exemples. Alors, tous ces éléments-là que je viens de vous dire, c'est des déboursés récurrents, annuels, qui sont là quand je suis propriétaire, qui ne sont pas là quand je suis locataire. Ça doit faire partie de mon analyse. D'accord? Alors, justement, juste avant d'aller en pause, on va se faire notre petite ligne ouverte sur les prêts hypothécaires. D'accord? Donc, c'est sûr que les prêts hypothécaires, le prêt hypothécaire, on pourrait en parler en long et en large pendant plusieurs heures, mais j'ai choisi quelques sujets et je vais échanger ou répondre à vos questions là-dessus. OK? Donc, première chose à dire sur le prêt hypothécaire, on peut se poser la question, parce qu'on comprend que personne n'achète une maison cash, ou à peu près. OK? Votre famille, ceux qui s'achètent une maison, une question qu'ils vont vous poser, c'est sûr, ils vont dire: ça devrait être quoi ma mise de fonds? Quel pourcentage devrait être ma mise de fonds? Puis quel pourcentage devrait être mon emprunt hypothécaire? On s'entend là-dessus? Donc, vous l'avez la réponse. Hein? Vous l'avez la réponse en vous. Il faut mettre au moins 20 % pour ne pas être pogné avec la SCHL, ça c'est sûr. Okay? Pour payer un faux frais, un frais d'assurance prêt que je n'ai pas à payer si je mets 20 %. Donc ça règle du pouce. Là, si votre beau-frère est persistant, il dit: ouais, mais je pourrais mettre plus que 20, ça vaut-tu la peine? Je pourrais mettre jusqu'à 40, ça vaut-tu la peine? Qu'est-ce que vous répondez? On a eu 6 cours là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez? On a eu 6 cours là-dessus. OK? Bien, tu fais combien dans ton REER? Tu fais combien? C'est quoi ta stratégie de portefeuille de placement? Ton rendement espéré, c'est 6-7. Bien, ton hypothèque est à 2,5. Garde. Reste à 20 % puis le reste, place-les. Tu sais, vous comprenez? C'est ce qu'on se dit. Donc, voilà pour le ratio. Autre affaire, période d'amortissement. Un emprunt, quand même bien que tu sais que tu ne garderas pas ta maison nécessairement 25 ans. Normalement, on l'amortit sur 25 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si le prêt se comporte de la façon suivante, il se comporte comme si tu remboursais pendant 25 ans. Tu as 25 années pour payer. Mais c'est sûr que si tu vends après 10 ans, bien, tu vas payer le solde hypothécaire, tu vas payer immédiatement après la vente. Donc, c'est le premier de deux événements. L'amortissement de 25 ans si tu gardes ta maison plus que 25 ans, ou le moment où tu vends, bien là, tu te mets à jour, tu rembourses ton prêt hypothécaire. Donc, normalement, c'est 25 ans. On peut y aller plus rapidement, si on veut. 20 ans, 15 ans, c'est-tu mieux, rapide ou pas rapide? Tout le temps la même question. Tu y vas plus rapide si tu n'as pas des bons placements. Si tu as des bons placements, vas-y pas plus rapide. Mais augmente pas ton train de vie, hein? C'est tout le temps ça. OK, donc, 25 ans, c'est le maximum quand tu mets moins de 20 %. Si tu mets plus que 20 %, tu pourras avoir 30 ans, mais bon, plus ou moins, les gens, ils vont avec 25 ans. Ils vont mensuellement, donc ça fait 300 versements. Vous entendez ça, vous voyez ça, c'est là qu'il vient le 300 versements. La fréquence des paiements, bien, tout est possible. La plupart le font mensuellement.
seule affaire que je veux vous dire, c'est que si vous le calculez mensuellement, mais vous décidez de le payer aux deux semaines, vous allez rembourser plus vite. Pas parce que c'est de la magie, là, c'est parce que vous allez payer plus vite parce qu'il n'y a pas 4 semaines dans un mois, il y a 4,33 semaines dans un mois. C'est juste pour ça que le fait, tu vas en payer plus. C'est ça que ça veut dire. Tu vas payer l'équivalent d'un mois de plus. Okay? Donc, on ne s'attarde pas trop sur ce bout-là. On peut payer au mois, on peut payer aux deux semaines, on peut payer deux fois par mois. Deux fois par mois, ça va donner la même affaire qu'une fois par mois. Là. Okay? Deux fois une demi du mois versus une fois le mois, ça donne la même affaire. OK. Durée du prêt. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est là que je peux vous donner un peu de valeur ajoutée, je pense, avec mes histoires. OK? Durée de prêt. Je peux m'entendre sur mon prêt hypothécaire, même si l'amortissement, ça, c'est autre chose. L'amortissement, c'est 25 ans. Mais je peux être appelé à renégocier mon prêt selon la durée de mon prêt. Donc, la durée, ça peut être 6 mois, peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Bon, typiquement, les Canadiens vont beaucoup sur le 5 ans. OK? La seule règle du pouce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des études qui démontrent que quelqu'un qui renouvellerait à chaque année et qui serait tout le temps sur 1 an, ça coûterait moins cher globalement que quelqu'un qui aurait été tout le temps sur 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que je veux que vous compreniez que quand vous jouez et que vous avez une durée d'un an, vous êtes tout le temps, vous allez avoir des écarts types dans votre affaire. Vous n'allez pas avoir une stabilité. Quand tu prends une durée de 5 ans, tu as gelé ton taux pour 5 ans. Si tu prends une durée d'un an à chaque année, il faut que tu regardes avec le taux directeur. Le taux directeur, il y a une année qui a augmenté de 0,75. Trois hausses en 2018 de 25,25 de 1%. Donc, là, rendu là, la durée, je vais juste vous dire que typiquement, si on la prend à chaque année, on prend une durée d'un an, on devrait être gagnant. Mais si on veut se sécuriser puis pas avoir de gros écarts types puis être étouffé dans nos finances par les débours, bien, peut-être il faut mieux dire je fais le test à 5 puis je serai avec le 5. Okay? Ça, c'est la première chose. Autre élément, c'est de dire, il peut être variable ou pas. C'est quoi la différence? Bien, ça le dit. S'il est fixe, tu prends 5 ans, le taux, tu le négocies à 2,9, ça ne bouge pas. S'il est variable, bien, il va suivre le marché, il va suivre le taux directeur. Donc, s'il est variable, à 2,9, quand que je l'ai pris, puis je l'ai pris variable, bien, si le mois d'après, il y a une hausse de 0,25 de 1%, bien, mon taux hypothécaire va automatiquement augmenter d'au moins 0,25 de 1%. Donc, si je vous dis ça, c'est-tu mieux variable ou fixe? Puis si j'essaie d'être sérieux en vous posant cette question-là, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez répondre? C'est-tu mieux variable ou fixe? On n'en a rien à cirer. On n'a aucune idée. Pensez-vous que vous êtes mieux que les gens de la Deutsche Bank? Pensez-vous que vous êtes mieux que Goldman Sachs, puis tout ça, puis ceux qui sont, passent leur vie à analyser ça? Il est dans la tendance potentielle des taux est inclus dans le marché du prix. OK? Donc, moi, je veux juste vous dire, élevez la table. La tête variable ou fixe, c'est sûr que si on pense que les taux vont augmenter dans le futur, le taux variable va être plus bas que le fixe. Mais il y a des génies de la finance qui fixent ces prix-là, là. Donc, je veux juste vous dire, pensez-vous pas trop bon, dire, hey, moi, je suis tout le temps du variable parce que, tu sais, checkez-moi bien, là, c'est mieux variable que fixe. Okay? Ben non, c'est pas ça l'histoire. L'autre élément que je veux vous dire, ouvert ou fermé, ça, c'est important. Quand on vend sa maison, on vend sa résidence, on doit rembourser l'hypothèque. OK? Donc, quand on rembourse l'hypothèque, si c'est une hypothèque qui est fermée, on va payer une pénalité. Normalement, la pénalité, c'est 3 mois d'intérêt. Okay? Si si le prêt hypothécaire est ouvert, ben je n'aurai pas de frais à payer. Mais évidemment, est-ce que vous pensez que le taux ouvert est plus élevé que le taux fermé? Ben oui, il est plus ouvert. Okay? Mais là, je vous arrive avec le vrai raisonnement. Si vous êtes tout le temps avec un prêt hypothécaire d'un an, parce que je vous dis que, historiquement, si on regarde l'analyse, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du coût. Est-ce qu'on est pas mal quand je suis dans une durée d'un an? Est-ce que je suis pas mal variable d'un? Ben oui, à chaque année, je repasse au cash. Est-ce que je suis pas mal ouvert? Ben oui, tu sais, j'ai un an pour vendre ma... Tu sais, c'est pas là comme... Je viens de m'attacher 5 ans, puis là, je veux vendre ma maison 2 ans après, là. Fait, tu sais, à quelque part, si tu vas sur un an, tu es pas mal variable par définition, puis tu es pas mal ouvert par définition. Je voulais vous faire lever ça. Puis, dernier point, c'est bien important, je vous le dis, OK? Malgré le fait que je vous... Là, je vous le dis pour vous, pour votre propre expérience personnelle, en temps et lieu, je veux juste vous dire que malgré que je vous parle que la durée un an,
pour un prêt hypothécaire, normalement, sur une longue période, ça va donner un meilleur résultat, donc un coût de financement plus bas que si j'y allais avec des 5 ans. Malgré que je vous dis ça, faites pas ça la première fois. Faites pas ça la première fois parce que quand est-ce que vous, là, vous êtes désirable? Quand est-ce que vous êtes sexy pour une institution financière? C'est quand vous venez d'acheter une maison, vous n'avez pas encore d'hypothèque, puis là, vous magasinez. Là, là, il y a des écarts de taux incroyables. Vraiment, vraiment, les taux sont très différents. Il y a de la négociation, il y a le taux affiché, puis il y a tout ce qui se passe sur Multiprêt, là. Mais une fois qu'ils t'ont attaché, une fois que tu as pris ton premier prêt hypothécaire, là, c'est pas de sortir de là, il faut changer, tu sais, ça prend un nouveau contrat de notaire. Puis, bref, c'est dur de sortir de là. Alors, ce que je vous dis, c'est que quand vous négociez votre premier emprunt hypothécaire, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez prendre comme durée? Là, vous devriez prendre 5 ans, vous devriez prendre le plus loin possible, à quelque part, parce que c'est là que vous faites négocier. Faites pas un an, il a dit un an, c'est mieux, parce que là, vous n'avez rien compris, parce que là, vous n'êtes plus sexé pendant tout, vous revenez, il faisait, voulez-vous un café, voulez-vous ci, voulez-vous ça, quand vous arrivez la première année, puis là, deuxième année, il n'y a plus rien, là, c'est comme, il ne te regarde même pas, il dit signe ici, OK? Fait que, pensez à ça. Ça, c'était le petit segment ligne ouverte. On se reparle dans 15 minutes, vous méritez une pause, puis on va parler du modèle tel quel, puis on va travailler sur le cas de Juste et Justine Leblanc.